salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Dragon Quest 11. On va continuer notre quête pour aller sur l'arbre monde, et oui. Alors, les branches de l'arbre monde sont extrêmement rares. Tu sais, je connais que celle de Gallopolis vers le sud-ouest. Donc on doit aller à Gallopolis, si je me rappelle bien, c'est dans le sud. Un truc enfin, non, à l'ouest, enfin bref, vous avez compris. Et c'est dans le désert ou je sais pas quoi. A mon avis, le sultan te la donnera pas comme ça, tu trouveras bien un moyen. Bon. Rappelez, on doit aller dans un désert où il fait chaud. En gros, sortez les palmiers, les cocotiers, les shortongs et on y va. Bon, par contre, on y va comment? Ça, c'est tout là la question. Il faut des lunettes de soleil, il faut un short, claquettes, chaussettes et c'est parti quoi. Quittez la vallée d'Yoto, prenez la direction du sultanat. Oh, je viens de me rappeler de quelque chose d'important. Un long voyage nous attend au fer. Eh bien, je connais un petit sort très pratique qui facilite vraiment la vie. Attends quelques instants. Ça y est! Topher apprend la téléportation. Ah, ça y est, c'est parti là. Dragon Ball, Sangoku, Super Saiyan 3, ça rigole plus. Tu peux te servir du sort que je viens de t'apprendre pour retourner instantanément à l'endroit auquel tu es déjà allé. Ainsi, tu peux retourner à Yoto, par exemple. Il te suffit de lancer le sort de la téléportation, de penser à Yoto et tu seras en un clin d'œil. Bien, maintenant que tu maîtrises ce petit truc, allons trouver cette branche d'Yggdrasil. Gallopolis se situe au sud-ouest. En avant. Bon, en gros, t'as compris, hein. Tu penses à Domino's Pizza et tout de suite, tu t'atterris avec le scooter avec la pizza derrière le dos. On insère. Ouais. Alors, on va où? Gallopolis, c'est à droite. Alors. Bon, sachez qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il est quand même 10h du soir. Et oui, je suis hyper en retard parce qu'en fait, il se passe extrêmement de beaucoup de choses dans ma vie qui fait que je suis un petit peu en retard dans les vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas du tout. On va aller tout droit, et oui. Bon, par contre, vous aurez compris, hein, j'aime pas me fighter avec les ennemis, c'est vraiment quand j'en ai besoin. Pour monter des niveaux, etc. Ça fait un bail, j'en ai pas fait. Je le ferai hors vidéo, ne vous inquiétez pas. Ce qui intéresse surtout, c'est le mode histoire. N'hésitez pas vraiment à mettre dans les commentaires, hein, si vous y aimez cette série, tout simplement. Hein. Alors, Amen Jésus, il doit être là. Ouais, il y a Amen Jésus. Voilà, on va faire un petit Amen Jésus. Confession. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint Whisky, amène la bouteille. Amen. Mais non. Ah, c'est bon. Ouais. Au revoir, madame. Youp là. C'est bien là, au moins. Hein. Eh ben non, me suis trompé. C'est de l'autre côté. C'est où? Ah, attends. Faut retourner là. Ok, il faut aller là-bas, d'accord. Voilà, sprinter tout le temps partout, tu vois rien tout faire. Voilà, un petit pont, il y a de l'eau, c'est cool, c'est sympathique. Oh, il y a un roi. Oh. Ouais, ça sent les canyons. Ça sent les canyons, ça sent le désert. On va atterrir dans GTA San Andreas, les gens. Ah, il y a une porte un peu château là-bas. On y sprint d'un coup? Allez. What, c'est quoi ça? What? Non, non, salut, salut, salut. On verra plus tard, on verra plus tard. Bonjour, on peut passer? Ah ben non. Halt! Personne ne passe sans un laissez-passer. Bah, j'en ai un. Topher montre le laissez-passer de Gallopolis au garde. Très bien. Tout semble en ordre. Tu peux y aller. Bah alors, fais pas chier, merde. Région de Gallopolis. Alors là, on va franchement prendre
notre temps et regarder les environs, les horizons, car à mon avis... Oh, je m'en doutais, c'était magnifique. Eh, il y a un cirque là-bas. Eh ouais, il y a un cirque. On va monter sur un éléphant. Ouais, 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 ouais. Oh là là. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Ah, j'aime bien. N'empêche, à quoi il nous sert sincèrement notre cheval dans le mode histoire si on peut pas s'en servir? La question que je me pose, hein. Parce qu'on fait tout à pied. Une question comme une autre, hein. À moins qu'on pouvait le prendre le cheval et j'ai jamais fait attention. Ah, il y a une cloche là. Eh, ça se trouve, il y avait des cloches en fait. Eh, je suis teuteux, ma parole. Bah oui, il y a des cloches. À chaque fois, je fais tout à pied qu'il y a des cloches. Oh là là. Bah ouais, c'est tellement mieux à cheval. Ah oui. Oh là là. De toute façon, on doit descendre. Parce qu'on doit aller à Gallipolis. Ça fait un peu penser à l'Egypte. Attention, tout en carton est là. Oh, que c'est joli. Ça fait penser à la vallée Gerudo dans Zelda. Breath of the Wild. Ah, ça fait très penser à... Ouais. The Legend of Zelda. Ne vous inquiétez pas, il arrivera également sur la chaîne. Je le referai spécialement pour vous. Oh, regarde tout ce monde! C'est merveilleux! Y aurait-il une sorte de festival en ce moment? Oui, bien sûr. Gallipolis est le royaume des chevaliers du désert, n'est-ce pas? Et c'est ici que se trouve le camp, le champ de course. Ils aiment s'affronter. Je crois qu'on arrive juste à temps pour la course de chevaux annuelle. Bien. Allez donc faire des tours de poney si ça vous chante. Moi, je pars à la recherche de la branche d'Yggdrasil. C'est la raison de notre venue ici. Donc, vous l'auriez oublié. Oh, laissons donc Monsieur Rabat-Joie partir seul de son côté. Si ça lui chante. Rien ne nous empêche de faire un petit tour puisqu'on est ici. Ouais, ça fait très Vallée Gerudo. C'est dingue. Ils se sont vraiment inspirés de Zelda et de Dragon Ball. Hein. Oh là 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 là. On va faire un petit tour. Bonjour monsieur. Haha, tu n'es pas là ici, tu es venu pour les courses? Bah, je veux dire, ouais. Tu tombes à pic, car le galop royal, la plus grande course de l'année, va bientôt commencer. La course est organisée pour fêter l'anniversaire de notre cher prince, Faris. Et l'édition de cette année est particulière. En effet, le prince Faris atteint sa majorité. Et va donc prendre part à la course. On raconte que c'est le cavalier le plus talentueux de Gallipolis. Ok, un prince. T'es obligé de me regarder de travers, toi? Attends, mets une. Marchand tapis, bonjour. Oh, il y a un petit vieux. Je pourrais passer mes journées à chiner parmi ces étals. On y trouve de vraies petites merveilles. Comment? Si j'ai déjà vu quelque part une sorte de branche spéciale? Maintenant que tu le dis, j'ai entendu parler d'une branche très précieuse. Ou quelque chose comme ça. Que le sultan détiendrait, tu devrais lui en parler. Il vit dans le grand palais qui surplombe ses escaliers situés en plein centre-ville. Waouh, ça va là? Et si on changeait nos armes? Bon, je sais pas si j'ai les moyens, hein, sincèrement, parce que j'ai pas fait de kill depuis un moment. Voilà. Ouais. Acheter. Et 100. Non, j'ai 1000. Ah, bah ça va, j'ai 1000. Oh, j'ai 1000. Et j'ai de quoi faire en fait. J'ai de quoi au moins m'acheter une épée. On va vendre l'épée de merde, hein. Hop.
Voilà. Oh, une merveilleuse épée. C'est déjà ça. Donc je referai pas mal de kills pour faire pas mal d'argent. Et donc changer l'équipement complet de la team, hein. C'est vraiment très intéressant de faire. Elle est très jolie, elle. Ouh. Madame. Oh là là, regardez-moi ça, quel beau jeune homme. J'ai envie de te faire le cadeau inestimable d'un puf-puf. Ah, Sarine. Vas-y, on dit ouais. Oh. Attendez, on va refaire Kékette là? Non. Par les cieux, je ne peux pas vous recevoir tous en même temps. Il y a des limites. Oh, 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 oh la cochonne. Tu viens seul, mon garçon. Tes amis t'attendront. Allez, tu me suis dans mes appartements? Oh là 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 là. Imagine, c'est un piège. Un peu nerveux, Topher abandonne ses amis. C'est tout? Eh, moi, je veux voir, moi. Ah ouais. Installe-toi sur le lit, c'est ça mon chéri. Ah, c'est pas encore commencé. Ah, moi j'y vais, hein. Ça te va si j'éteins la lumière? Allez, à fond dedans, hein. Pouf pouf pouf. Ouais, pouf pouf pouf. Mais qu'est-ce que tu... Pouf pouf pouf. Ça chatouille. Pas mal, hein. Moi, les puf puf, je ne les fais pas à moitié. Oh merde. Waouh. Mon chéri, je te présente mon père. C'est le plus grand spécialiste du puf puf au monde. Oh putain. Et voilà, j'ai terminé. Surtout, repasse nous voir, mon grand. What? Hein? Non! Attends, j'ai couché avec le père ou j'ai couché avec la fille là? Attends, on recommence ou. Attends. Non! Oh là là, moins de 18 ans, hein, sincèrement. Oh punaise! Là, je suis un peu. C'était comment? What? Non, mais là, je suis gêné. Je suis en train de me demander si j'ai. Le mec, il m'a mis une. Voilà, ou si j'ai couché avec la fille. Ok, d'accord. Je me suis pris un bâton dans le cul, sincèrement, je crois. Alors, je sais pas, hein, mais d'accord. Moins de 18 ans, je le rappelle. Hein. Donc, interdit. Oh punaise. Oh punaise. Non mais là j'imagine des trucs. Ah. Après t'es pas obligé de faire ça, hein. C'est vraiment parce que moi je suis un petit peu curieux. Approchez. Oh, elle a un pompon en son cul. D'accord. Allez. Et si on est là? Ah, on peut pas. Je voudrais acheter des billets pour le cirque. Désolé, c'est complet à cause du numéro de Sylvain. Les lieux se sont vendus en un rien de temps, ça sera pour une prochaine fois. Ah oui, c'est vrai. Je dois aller. J'ai sprinté juste 2 secondes, je me suis trompé de bouton. Pour la branche d'Yggdrasil. Et donc la branche d'Yggdrasil, elle est là-bas. Elle est chez le sultan. Fait un peu peur lui, on est d'accord, hein. On dirait le pépère dans Namek dans Dragon Ball, le mec super puissant, hein. Je sais plus son nom, Sklug, un truc comme ça là. Palais du sultan. Bah je vais pas lui demander où c'est, hein, c'est tout droit en haut, hein. Oh des minous. Il y a des petits minous qui sont mignons. Alors là, ils s'entraînent. D'accord. Parce que ça fait royal et en même temps égyptien. C'est assez délire. Le mélange. Sincèrement. Exotique. Mais en même temps. Franchement, pas mal.
J'ai l'impression qu'on est dans une pyramide. Je pense, hein. Et comme d'hab, le sultan, c'est un petit mini-moy. Cher sujet, cette édition du Galop Royal n'est pas comme les autres. Cette course marque le jour où Faris, mon fils héritier, atteint la majorité. Et ainsi donc... Non. Un événement d'une telle importance requis de l'éloquence, tant de civilité, n'attiseront nullement l'intérêt de mes chers sujets. Et à qui ai-je l'honneur? Je n'ai même pas le temps d'accorder d'audience aujourd'hui. Vous devrez partir immédiatement. Waouh. Père, mon entraînement est terminé. Ouais, ça fait genre le mec dans Shrek, vous savez, le beau gosse là. Bah là, c'est pareil, il a la même tête. Il ressemble pas à son père. Hein. Alors, prononce le serment. Un chevalier n'a qu'une parole et n'a qu'un pour... Hein ? Et n'a pour seul maître que son royaume. Il sert les faibles sans relâche, défie les puissants sans faillir. Ah ! Et jamais ne se dérobe face à l'adversité. Bien, très bien. Que le serment des chevaliers guide toujours tes pas, mon fils. Tu es un homme à présent, Faris. Et la course de demain en sera la preuve. Tu dois montrer à ton peuple que tu es digne de son adoration. Les craintes, père, bien aimé. Je ne décevrai ni toi ni mon peuple. Oh. Quel est ton nom, étranger? Et qu'est-ce qui t'amène à Galopolis? Topher se présente et explique qu'il est venu à Galopolis à la recherche d'une mystérieuse branche. Il doit sûrement parler du rameau irisé. C'est le seul trésor de notre royaume qui correspond à cette description. Je pense pouvoir te venir en aide, l'ami. Retrouve-moi dans mes appartements au pied du grand escalier, je t'y attendrai. Pardon, mais sa grandeur, le sultan le plus ardent, est assez préoccupé par les préparatifs du galop royal pour le moment. Les appartements du prince Faris, prends à gauche, au pied du grand escalier. Mais ne va pas le déranger en ce moment, c'est important. Ok, donc à gauche... À gauche-gauche ou à droite-droite? Moi, je pense à gauche là, hein, non? À gauche au grand escalier, c'est ici. Mais si on prend la gauche de l'autre, ben, ça fait là-bas, bon, on s'en fout. Appartement du sultan. Normal chez eux. Hey, y'a un coffre. Une boucle d'oreille. Le mec qui vole chez le sultan, normal. Allez, hop. A mon avis, c'est là-bas du coup. A mon avis, il y a les parents et le fils. Voilà. Appartement du prince. Bah, avant, je te pique un bijou, hein, tu m'excuses. Une épée, large en fer. Ah, merci d'être venu. Bien, bien, ta taille et ta carrure sont parfaites, et tu as la tête de quelqu'un qui s'y connaît en chevaux. Je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais que j'allais devoir monter sur le cheval et faire la course à la place de ce mec.
À mon avis, c'est même pas monté sur un cheval, ce con. Sache que la branche que tu cherches est en réalité un trésor royal inestimable. Mon père n'acceptera jamais de la donner sans contrepartie à un étranger venu de nulle part. Cela étant, il consentirait peut-être à s'en séparer si la demande émanait de son fils bien-aimé. J'aurais donc une petite faveur à te demander en échange. Mais les murs de ce palais ont des oreilles. Ah, le bruit du cirque garantira la discrétion de nos échanges. Me rejoindras-tu là-bas? Bah ouais. Je veux la branche, wesh. Vas-y. Alors c'est entendu. Je te rejoindrai à l'entrée de ce chapiteau grotesque ce soir. Ne me fais pas attendre, je t'en prie. Eh ben, on va aller voir le château, hein, on est d'accord. Alors, on va sortir d'ici. Le château, qu'est-ce que je raconte, moi? On va au chapiteau, et on va voir, à mon avis, ça va être ça, hein, c'est la course de cheval. À mon avis, on va devoir faire la course de cheval. Alors, est-ce qu'on peut le voir? Il avait dit le soir. On rappelle bien. Est-ce qu'on peut passer maintenant? Ah oui, c'est ouvert. Et il y a... Eh ben, il est là. Tu es venu, excellent. Le bruit du cirque nous permettra de parler sans être espionné. Si on entrait... Bien, le spectacle est déjà commencé. Nous devrions entrer sans plus attendre. Mesdames et messieurs, les enfants, découvrons maintenant celui que vous attendez tous, l'acrobate qui fait rimer performance avec élégance. Vous allez vivre une expérience unique. Je vous demande d'accueillir comme il se doit le grand Sylvando. Mesdames et messieurs, je vous en prie, n'ayez crainte. Le grand Sylvando ne mettrait jamais son public adoré en danger. Après tout, mes trésors, c'est vous qui rendez ce numéro si spécial. Je vous aime tous, merci, merci. Vite, profitons-en pour discuter pendant que tous les yeux sont braqués sur la piste. Et s'il vous plaît, pas un mot de ceci à quiconque. Bien, comme vous devez le savoir, le galop royal est l'événement le plus important de l'année ici à Gallopolis. Et demain, je suis censé faire mes débuts dans la course ultime de tous les temps. Mais il y a un problème, un tout petit gros problème.
Je ne sais pas monter à cheval. En fait, j'ai même du mal à tenir en selle. Et jusqu'ici, je suis parvenu à dissimuler ce fâcheux détail. Mais si je devais prendre part à la course, cette vérité quelque peu gênante serait révélée au grand jour. Et pourtant, je n'ai pas le choix! Que le prince de Gallipolis ne participe pas au Gala Royal de l'année, sa majorité est inconcevable, inconcevable. Toi là, tu comprends donc d'avenir ici, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un signe. La force du destin veut que je fasse de toi ma doublure, tada. Et votre doublure. Et comment vous comptez faire, tout simplement? Tout le monde s'en apercevra dès l'instant où il pénétrera sur la piste, non? Encore là, le destin bien fait des choses. Les membres de la famille royale portent toujours une armure intégrale. Pendant la course, au cas où l'impensable se produirait, son visage sera donc dissimulé. Famille royale, j'ai pas le temps de dire. Ah bah ça sent. Ah bah non, c'est bon. Je t'en prie, tu dois m'aider, tu dois courir le galop royal à ma place. Vous êtes le prince le plus pitoyable que j'ai jamais rencontré. Si vous croyez que vous vous aidez à mentir à votre peuple, vous fourrez le doigt dans l'œil. Wow, vraiment? Alors j'imagine n'est pas un si grand besoin de ça du rameau hérissé, dans le fond. Et alors là, il faut être gonflé. Quoi que tu en penses, cela ne changera rien. Tu feras ce que le destin attend. Et tu me remplaceras pendant la course, n'est-ce pas? Ben, j'ai pas trop le choix. c'est du chantage, là, sincèrement. Je savais que tu finirais par entendre raison. Merci. Je parlerai du rameau hérissé à mon père dès que la course sera terminée. Tu as ma parole. J'ai pris la liberté de faire préparer des chambres pour vous à tous à l'auberge. Reposez-vous bien, je vous attendrai aux écuries tôt demain matin. L'entrée des écuries se trouve dans la partie ouest de la ville. Ne soyez pas en retard. Je dois vous quitter à présent. Au revoir, mes amis. Ciao. Topher et ses compagnons passent la nuit dans les chambres que le prince Faris a fait préparer pour eux. Puis le jour se lève. Bonjour, j'ai entendu dire que tu avais passé la soirée au cirque. N'as-tu pas trouvé le spectacle absolument incroyable? Et aujourd'hui, le Gala Royal, encore un bon moment en perspective. Les rues sont très animées. Oui, tu cherches la loge royale. C'est bien évidemment la plus belle salle des écuries. Elle se trouve à l'ouest du paddock. Amuse-toi bien. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très rapidement pour un autre épisode avec donc le Gala Royal, et bah ouais, avec la branche d'Yggdrasil, et bah ouais, et voilà. Et on se retrouve très prochainement, allez ciao tout le monde et puis portez-vous bien.